Good morning, allez, Iden Netus sera aujourd'hui les Luni Shmat Avram Chayin Orber Ben Fortune Mazal Rachamim Ben Rosa Yedida Bat Esther et Allegri Abat Sol Ben Soussan Lebet Vanish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Erchin, Perek Gimel Mishnah Bet Bisde Achouza Le Akel ou Lachmir Keitzad. Echad Amagdish Becholat Amachos Le Echad Amagdish Befardesot Sebasti. Noten Bezera Chomer Seorim Chamishim Shekel Kesef. Ou Bisde Mikna Noten Et Chovio. Rabbi Eliezer Omer, Echad Zde Achouza Ve Echad Zde Mikna. Ma Ben Zde Achouza Li Zde Mikna. אלא שבשדה האחוזה נותן חומש, ובשדה מקנה אינו נותן חומש. D'abord, de manière générale, le troisième chapitre de Masechet Erchin nous parle des différents sujets de la Torah, où on va parler de dommages, on va parler d'estimation de biens, si c'est pour dédommager, si c'est pour en faire un don quelque part, où la Torah nous a fixé une constante, au lieu de s'intéresser à la valeur marchande, la Torah nous a fixé une constante. En l'occurrence, Erchin, c'est le cas. Lorsqu'on va donner le RR d'une personne, eh bien, on va donner un préfixe selon son âge. On ne va pas s'intéresser aux capacités physiques, au marché des esclaves. Et ça, c'est pour la première Mishnah. Deuxième Mishnah, maintenant, on va parler de Sde Achouza. J'introduis de manière très générale. On va ouvrir les psukim parce que c'est l'occasion, quand on étudie une Mishnah, d'ouvrir les psukim, de découvrir les mots de la Torah qu'Hachem nous a donné, de savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah exactement. On lit le Shabbat, on lit, mais un petit peu vivre les choses, quoi. Donc, très succinctement, d'abord, je vous fais une petite introduction. On va parler d'abord dans Maseret Bechukotai, c'est la parashat à Shavua de. C'est-à-dire que les Français, on lit Shabbat dernier, les Israéliens, on lit ça la semaine d'avant. Là-bas, le dernier chapitre s'occupe des différents dons qu'on va faire au Beth Amikdash, qui va s'agir de valeurs de personnes, qui va s'agir d'animaux, qui va s'agir justement de donner ses biens. D'accord ? Introduction d'abord très générale. Lorsque je vais donner mon champ, je vais offrir mon champ, je vais offrir mon champ pour le Beth Amikdash, eh bien, il ne va pas y avoir les paysans du Beth Amikdash qui vont venir travailler la terre, ça n'en est pas question. Cette trésorerie du Beth Amikdash, il va récupérer ce bien, il va le vendre selon un certain rituel, d'abord le proposer aux membres de la famille, au celui qui l'a sanctifié lui-même, de le racheter et tout ça. D'accord ? Et après, il va récupérer cet argent, il va donner pour le Beth Amikdash et le Sadeh, il va être libéré. Et il y aura encore une petite différence qu'on va introduire dans quelques secondes. D'abord, je vous fais de manière très générale, et puis on va avancer doucement dans les détails, après on va voir les psukim, après on va revenir à la Mishnah, Be'ezrat Hashem. Il y a maintenant, tout d'abord, vous connaissez le principe du Yovel. Tous les 50 ans, à date fixe, quoi, la 50e, tous les 50 ans, il y a le Yovel. Au Yovel, il faut restituer tous les biens à leur propriétaire initial, c'est-à-dire moi qui suis de la tribu de Yehuda, descendant de Nachshon, Ben Aminadab, donc moi, ma parcelle de terrain, elle est censée être là. Alors si maintenant je l'ai revendu à Reuven, qui l'a revendu à Shimon, qui sont chacun, c'est pas Reuven, c'est Reuven de la tribu de Reuveni, et l'autre de Shimoni, et tout ça, va venir le Yovel, on va me ramener ça à moi-même. Selon le cas, s'il n'est plus là, on va chercher des héritiers, il y a tout un truc, en tout cas, il y a un principe de Veshav. On restituera en tout cas voilà parce qu'il m'est revenu ça on est dans paracha du début de Béhar, d'accord, donc ça c'est au Yovel, on restitue les biens à leur propriétaire. Maintenant lorsque je vais sanctifier mon bien, alors la Torah elle nous a dit dans Vaikra, dans Bechukotai, la Torah elle nous a parlé de deux situations en fait. Il y a la personne qui est le propriétaire intrinsèque du bien, c'est-à-dire moi je suis sur la parcelle de mes ancêtres, je l'ai reçu, c'est mon bien. Il y aura des halakhot spéciales lorsque je vais le sanctifier, chose que si je suis parti acheter la parcelle de Reuven et que je vais sanctifier mon bien, il y aura des halakhot qui seront différentes. Et le principe de notre Mishnah, il est de faire la différence. Sur quoi il y a une différence ? Je vous le dis de manière très générale, lorsque je vais sanctifier mon bien qui appartient à mon patrimoine que j'ai hérité de mes ancêtres, c'est moi qui suis sur la terre de mes ancêtres, de ma tribu, eh bien, lorsque je vais le racheter du Gizbar, la Torah m'a fixé un prix fixe qui sera calculé, bien évidemment, qui sera ensuite divisé selon le nombre d'années qu'il y aura jusqu'au Yovel, mais une constante fixe, quelle que soit la qualité du terrain. À la différence de, selon Tanakama, il y a une discussion sur ça, selon Tanakama, eh bien, si moi j'ai acheté le terrain de Reuven et je l'ai sanctifié,
Et bien là, cette fois-ci, on va plus s'intéresser à la valeur établie, la constante établie par la Torah, mais plutôt à la valeur marchande du bien, selon la qualité de la terre. Il y a des terres plus fertiles que d'autres, des terres où elles sont plus facilement irrigables que d'autres, la proximité aussi à la ville, et toutes sortes de paramètres, d'accord ? Donc, on est maintenant dans Parashat Bechukotai, Perek Rav Zayin. Perek Rav Zayin, je crois qu'on va commencer depuis Pasuk Tet Zayin. Chamishi Shvin Kshem Mechubarin. Il y a marqué là-bas, Vimizde Achuzato Yagdish Ish Lashem. Si il va sanctifier du Sde Achuzah, Sde Achuzah, c'est la terre qu'il est, Achuzah, qu'il est, c'est son patrimoine, qu'il a reçu de ses ancêtres, et qui va le sanctifier à Hachem. Vaya Erkecha Lefi Zaro. Eh bien, sa valeur sera selon les moissons, le zera, les moissons qui va être zoréa, zera chomer seorim, bachamishim shekel kesef. Il devra donner pour, un, de quoi être zoréa chomer seorim, c'est-à-dire pour être de quoi semer un chomer seorim, une quantité d'un chomer seorim. Un chomer seorim, ça correspond à un volume d'orge. Un chomer, c'est un bête court, 30 CA. Noël, d'ailleurs, c'était traduit dans le Targum ici, court. Un court, on connaît, un court, bête court, ceux qui se souviennent de Baba Batra, bête court, c'est Shoshim Sein. Donc, de quoi semer une quantité d'un court d'orge, Bachamishim Shekel Kesef, une valeur de 50 Kesef, c'est-à-dire. Et après, la Torah me déduit. Ici, que selon les années restantes, je devrais déduire de ce prix. C'est-à-dire, je m'explique. On va imaginer que je suis dans la première année du Yovel, et moi je suis le propriétaire, je suis sur mon patrimoine que j'ai reçu de mes ancêtres, c'est ma terre attitrée, bien dans ce cas-là, et que je sanctifie cette terre. La Torah me dit, tu sais quoi, cette fois-ci, on ne va pas calculer la valeur marchande selon la qualité de terre, ce qu'elle est capable de produire, mais on va te donner un prix fixe pour, en deux mots, pour une taille de un bête court, eh bien, tu rachèteras 50 pièces d'or, 50 pièces d'argent plutôt, 50 kesef, 50 shekels. Et si tu n'es pas sanctifié, donc après la toile va continuer à me dire, tu vas la sanctifier à la 10e année par exemple, donc il te reste 40 ans, eh bien tu ne perdras que 40 par rapport à cette superficie. Si à la moitié de la superficie, tu perdras la moitié. Si à le double de la superficie, tu perdras le double. D'accord ? La toile a fixé un prix au mètre carré en fait. Maintenant, un bête court de chomer seorim, en fait, ça correspond à quoi un bête court? Un court d'orge, c'est tout simplement, vous savez, quand on sème le blé ou l'orge, ou tout ce qu'on va semer, en fait, il faut laisser un petit peu, il y a une densité de graines qu'on plante selon la graine, selon la qualité de la terre, il y a comme ça des paramètres qui influent. Si on va mettre 10 graines au mètre carré, 10 graines au centimètre carré, on ne va pas avoir 10 épis de blé qui vont pousser. À la limite, il n'y aura rien, parce qu'il y en aura un qui dérangera l'autre. Il faut les laisser un petit peu respirer, mais pas trop, parce que si on va s'étaler de trop, on va perdre plein de terrain, c'est un peu bête. Donc il y a comme ça, selon les graines, selon plusieurs paramètres, eh bien, ils savent, eux, ils savent combien semer. En tout cas, la quantité semable, en réalité, c'est un bête court, ça correspond à 50 sur 100. 50 amot sur 100 amot, je crois, comme le chatser à Mishkan. Non, là-bas, c'est bête sataïm. Non, je me plante. Bête sataïm, 2 CA, ça fait 50 sur 100. Donc, multipliez ça par 15, et voilà, vous aurez la superficie à peu près. Et ça, ce sera l'équivalent d'un bête court. La Torah nous a dit, ben, pour le bête court, tu payes 50 pièces d'argent pour les 50 ans. Et tu déduis selon ça. D'accord ? C'est le principe. Et la Torah, donc, elle rallonge sur me dire, si c'est Mishnat à Yovel, alors il devra donner tout le RR, et si c'est plus tard, il devra donner moins. Et la Torah, elle me dit, maintenant, dans le Pasuk Yud-Tet, maintenant, j'ai sauté le Pasuk Yud-Zayin Nun Ches, que je vous ai dit à l'oral, Pasuk Yud-Tet, elle me dit, et si maintenant c'est moi qui vais venir racheter ce terrain, moi-même qui vais avoir le mérite de venir acheter mon terrain, alors je devrais rajouter un cinquième du prix du terrain. Veimgaol igal et asade, amagdishoto, veasav chamishit kesef erkecha alav vekamlo. C'est-à-dire, et s'il viendra le libérer, le racheter, le champ, celui qui l'a sanctifié, donc moi-même, qui suis le propriétaire, qui est assis sur mon patrimoine, eh bien, dans ce cas-là, veasav chamishit, il devra rajouter le cinquième du kesef erkecha, du RR, de l'argent du RR, vekamlo et alav, sur lui, et vekamlo, il sera à moi. Donc, en fait, je vais venir le racheter,
Mais lorsque je vais le racheter, en fait, il va falloir que je prenne 50, mais j'ajoute aussi un cinquième. Attention, un cinquième, ça ne veut pas forcément dire un dixième, des fois c'est un dixième, des fois c'est un quart, parce qu'on calcule un cinquième et des barres, on ne va pas entrer dans ça. Et je ne sais même pas comment ça se passe cette fois-ci, j'ai oublié ce numéro dans le 20e, mais je ne l'ai pas en tête pour le moment. Et voilà, on en reparlera, je crois, de toute façon, dans la suite du Rechin, on parlera encore de tout ça. Maintenant, et la Mishnah continue, le puzzle de la Torah continue en me disant Veim loigal et asadeh, veim achar et asadeh leishacher, loigal od. Par contre, si je ne veux pas le racheter, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas envie d'emprunter, je n'ai pas envie de me casser la tête, et ça va être quelqu'un, mon voisin, Rihouen, qui va venir le racheter, alors là, veim loigal et asadeh, si moi je ne vais pas le racheter, veim achar et asadeh leishacher, et que le gizbar, le trésorier du Betamigdash, il va le vendre à quelqu'un d'autre, loigal od, c'est fini, j'aurais perdu mon scrout de le racheter. Et qu'est-ce qui se passera alors là, attention. Et lorsque le champ ressortira au Yovel, qu'il va falloir lui ressortir, parce que l'autre, quand il la rachète jusqu'au Yovel, lorsqu'il ressortira du Yovel, il ne reviendra plus chez moi. Kodesh l'Hachem, il sera toujours Kadosh Hachem, qui se dé acherem, comme les seder acherem, comme le champ qui a été complètement en anathème, qu'on avait expliqué, et la Kohen, Tihye Achuzato, il reviendra au Kohanim. C'est-à-dire quelque chose de très spécial. Regardez bien comment ça se passe. En deux mots. Moi, qui suis le propriétaire, qui suis assis sur mon héritage que j'ai reçu de mes ancêtres, c'est ma parcelle que j'ai reçue depuis Yoshua Bin Nun, de père en fils. Et donc, j'ai ma parcelle. Je sanctifie. La Torah me dit deux choses. Trois, plus même. La Torah me dit, tu payes un prix fixe au mètre carré. Un, pour un bête court de Seorim, tu payeras 50 pièces. Et tu calcules donc proportionnellement selon la taille et selon le nombre d'années qui restent. Parce que c'est 50 pièces pour 50 ans, donc une pièce par an avec un peu plus. Et lorsque moi-même je vais le racheter, je devrais rajouter un cinquième. Si c'est quelqu'un d'autre qui va venir le racheter, lorsqu'il le rachètera, lui, il ne rachètera pas le cinquième. Mais attention, après, lorsque viendra le Yovel, ça ne viendra plus chez moi, ça ira au Kohanim. D'accord ? Maintenant, nouvelle situation que la Torah continue en me disant dans le pasuk Ravbet. Vim et sede miknato asher lo misdeh achuzato yagdish el Hashem. Par contre, si c'est le sade mikna, un sade qu'il a acheté, et pas que c'était le sade achuza, il y a sade achuza et sade mikna. Sade achuza, c'est celui qu'il a hérité, et celui qui est sade mikna, c'est celui qu'il a été conné, celui qu'il a acheté de quelqu'un d'autre. Asher lo misdeh achuzato, que ce n'est pas un sade de sa achuza, de son héritage, yagdish el Hashem, et qu'il le sanctifiera Hashem. Alors là, la Torah me dit, ben c'est simple. Dechishav lo haKohen et mirsata erekecha. Et le Kohen, parce que le Kohen c'est celui qui vient, qui calcule les valeurs, il devrait calculer la valeur, le mirsat, c'est le schum, la valeur du erech, Hachnata Yovel, qui reste jusqu'à l'année du Yovel. Venatan et erekecha bayom ahu kodesh l'Hashem. Et il devra donner cette valeur et qui sera sanctifié à Hachem. Et à la fin, donc ça veut dire en fait, moi qui ai acheté, ou Ven qui a acheté de moi ce terrain qu'il a sanctifié à Hachem, il devra, le Kohen viendra lui dire, ben écoute, le Sadé jusqu'au Yovel, il est censé coûter 10 000, tu payes, il reste maintenant 30 ans, donc ça fait, tu payeras 6 000 quoi, ça fait 30%, 60%, 70%, où j'en suis, 30, 50, donc ça fait 60%, tu payeras 60% des 10 000, il n'y aura pas d'ajout sur les, il n'y aura pas de cinquième non plus, tu rachètes toi, tu payes les 6 000, Et maintenant, Mishnat Yovel Yajuva Sadel Asher Kanaou Meito. Et à l'année du Yovel, le champ reviendra à celui duquel il a acheté. Il le rendra à moi. D'accord ? L'Asher Kanaou Meito, l'Asher Lo Achuzata Aretz. Et voilà, il devra le rendre à moi. Il y a de quoi beaucoup rallonger, bien évidemment. Mais pour notre propos, il faut malgré tout aller vite. On a donc retenu, tel que c'est présenté dans la Torah, et c'est sur ça que je vais l'introduire maintenant tout de suite, comme ça après ça va aller très vite pour la Mishnah, il s'avère qu'en réalité, donc, moi qui vais sanctifier la parcelle de terre que j'ai reçue depuis, en héritage depuis Yoshua Bin Nun, j'ai un prix fixe à racheter, je dois rajouter le cinquième, et si je ne la rachète pas, ça ne me reviendra pas au Yovel, tandis que si quelqu'un il va sanctifier une terre qu'il a achetée de quelqu'un d'autre, alors là, il n'y aura pas de prix fixe, il devra payer le prix la valeur marchande, considérer les propriétés du terrain, payer selon ça les années qui vont rester jusqu'au Yovel, et après le Yovel, le champ reviendra à son propriétaire. Maintenant, il y a sur ça une discussion avec Rabbi Eliezer, qui ne va pas être d'accord dans la Mishnah, qui va nous dire non, même lorsque c'est quelqu'un qui a acheté un champ, eh bien, il faudra calculer selon le prix fixe qui a établi par la Torah, ça dépend comment est-ce qu'on déduit des psukim. Ça, on aura l'occasion, on touchera un petit mot quand on arrivera dans la suite, dans le déroulement de la Mishnah. Et voilà, et là donc la grande différence qu'il y aura en fait
Donc finalement, la Mishnah, va poser la question, alors on pourra bien les dire, quelle différence il y a, si c'est la Torah le bien séparé, si c'est moi le propriétaire de la terre de mes ancêtres, ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui va le sanctifier. Alors, Rabbi Eliezer va nous dire, bah, la différence, elle va être sur l'ajout du cinquième. Et l'autosphote, je vais vous rajouter, il y a encore une petite différence sur, après le Yovel, est-ce qu'il faudra le rendre au Kohanim ou le rendre au propriétaire. On a fini d'expliquer toute la Mishnah, on fait ça dans les mots maintenant, Bezat Hashem, on attrape le temps qu'on a dû consacrer pour tout ça, regardez. Bisdeh Achuzah Leakel Ulachmir, sur le champ sanctifié qu'on a reçu en héritage, que le taux fixé par la Torah de 50 pièces d'argent, Zerah Chomer Seorim, pour un cours d'orge, 50 pièces, plutôt que de calculer selon la valeur marchande, comment se présente le cas ? Echad Amagdish Becholat Amachoz, qu'il s'agisse de celui qui va sanctifier une Cholat Amachoz. C'est les terres qui étaient autour de la ville, qui étaient de moins bonne qualité, ou bien si Machoz, ça peut être aussi le nom d'une ville, deux expressions dans le Vartanora. En tout cas, c'est des terres qui sont de mauvaise qualité. Ou bien, Echad Amagdish Befardesot Sébasti. Ou bien, celui qui va sanctifier les jardins de Sébastien. Je ne sais pas c'est qui, par des sauts de Sébastie, les jardins de Sébastie, c'est un endroit où il y avait des très beaux champs, et la terre, elle coûte très très cher, et ça fait pousser des beaux fruits. Et bien malgré tout, dans tous les cas, si c'est lui qui va sanctifier sa terre, Noten Bezer Achomer Saorim Chamishim Shekel Kesef, il va donner pour une taille de terre labourable, semable, d'un Chomer Saorim, d'un cours d'orge, donc en fait ça fait l'équivalent, comme je vous ai dit, 30 cours d'orge, et l'équivalent de 50 fois 100 fois 40, d'accord. Et peut-être c'est précisé directement. C'est pas dit. Ça va vraiment. On m'a comme envoyé les raccords. Des nouls shloshim CH et sorim. Il l'a pas précisé. Il a juste précisé que ça fait 30 CA d'orge. Mais il n'a pas. Veugadol, mais comme Zriat Kor, Shankritim. Il n'a pas précisé. Ils n'ont pas donné d'estimation à peu près sur la taille que ça prend. Peu importe. En tout cas, il faudra payer. Donc pour cette taille-là, il faudra payer Khamishim, Shekel, Kesef. 50 pièces d'argent. Au bisdé mikna noten et chovio. Tandis que s'il va sanctifier le sdé mikna, le champ qu'il a acquis de quelqu'un d'autre, eh bien il devra donner sa valeur marchande selon les prix en immobilier. Rabbi Eliezer Omer, selon Rabbi Eliezer, c'est pas comme ça. Et chad sdé achouza ve chad sdé mikna. Non, tous calculent la même chose. Qu'il s'agisse du sdé achouza, du champ qu'il a hérité, ou bien chad sdé mikna, du champ qu'il a acquis. Dans ce cas-là, alors, ma ben sdé achouza le sdé mikna, quelle différence y aura-t-il entre le sdé achouza et le sdé mikna? Alors quoi, il n'y a aucune différence. Réponse, elle a chez bisdé achouza noten chomesh. Dans le sdé achouza, le champ qu'il a hérité, noten chomesh, il faudra rejeter le cinquième lorsqu'il va le racheter. Ouais, et au bisdé mikna, et non noten chomesh, tandis que dans le sdé mikna, dans le champ acheté, acquis d'un autre, alors il ne faudra pas rajouter le cinquième. Tosfot Yom-Tov, il nous rajoute donc au nom de Tosfot, que aussi la différence à la fin du Yovel, est-ce qu'il faudra le rendre. Et tout ça, c'est déduit de Psukim, en fait, selon Rabbi Eliezer, il déduit ça qu'il y a une Xera Shava. C'est-à-dire, Tanakama, lui, il a déduit ça sur le fait que, comme on a vu dans le Pasuk, qui a marqué juste Vechi Shavu Kohen, le Kohen calculera, donc il calculera, pas comme ce que ça a été précisé dans le début de la Paracha. Tandis que lui, Rabbi Eliezer, il a une Xera Shava entre les deux, qui a marqué Vechi Shev, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, la Slachakol, tout, c'est là.